on n'est pas venu pour vous parler de la qualification plus, mais plutôt de sa remplaçant, on fera un bond dans le futur et on conduit directement un concept car dans la vraie vie. Maintenant, en route vers le futur. Bienvenue dans le futur avec le concept car Citroën Aircross qui annonce de prochains développements du C4 Cactus et puis bien d'autres choses encore que l'on va découvrir en détail. Le concept car Aircross a défini une nouvelle calandre à deux niveaux et pour la première fois sur un SUV. C'est à la fois graphique, simple et subtil. Des phares à diodes qui seront la nouvelle signature visuelle. On le retrouve aussi à l'arrière avec des feux 3D. Et puis concept car oblige, il fallait un peu de légèreté, un peu de prospective avec des éléments en aluminium brossé au niveau du capot, des entrées d'air et du vitrage. Là pour la série, il ne faudra pas y compter dessus. C'est plus pour le fun et puis pour apporter un supplément d'âme au concept car. À bord du concept car Citroën Aircross, la technologie est omniprésente. On a des push tactiles au niveau des pouces ici pour commander les différents menus qui sont sur les interfaces Full HD, car il y a évidemment uniquement du numérique devant le conducteur, au centre, mais également cet écran pourra se déplacer devant le passager à loisir. En fait, on peut se faire passer la tablette comme on le ferait chez soi dans son salon. Et puis enfin, l'univers du voyage avec cette bande qui rappelle les mâles, l'univers des maletiers qu'on a dans le cactus. C'est le filigrane, c'est l'évolution logique et une certaine filiation qu'on a dans ce concept car Aircross. Au-delà de sa philosophie SUV clairement assumée, le concept car Aircross, c'est aussi une invitation au voyage avec des places arrière confortables, des sièges enveloppants, des fauteuils de bonne dimension. C'est l'idée aussi Citroën de l'ultra confort. Ce concept car Aircross est doté d'une boîte automatique. On a un sélecteur rotatif qui fait un clin d'œil aux engrenages Citroën, la spécialité maison à l'origine de la marque. Et puis ben, on y va, on n'a qu'à régler le sélecteur sur D et c'est parti. Le véhicule est imposant mais on est dans un univers de confort, de luxe. Et comme dans un C4 Cactus, tout est digital. On a un univers minimaliste. Mais néanmoins, il ne manque rien en fait. Toutes les fonctionnalités sont là. On va remercier les automobilistes ébahis qui nous laissent passer. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un concept car sur la route. Et finalement, quand on voit cette simplicité mais également ce réalisme, on dit que le futur, c'est pas si loin que ça en fait. Le futur est à portée de main. On a pu déjà en avoir un aperçu dès aujourd'hui. À bientôt sur l'Argus.fr.